que je viens de faire, c'est un miracle. Oh non, 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 non. Oh, oh, oh. Bien sûr, mets-toi là. Bah alors. Quoi? Mais la spatule, j'avais pris la spatule. Est-ce que vous savez c'est quoi la pire chose au monde? Hein? Entre tourner une vidéo et de se rendre compte qu'elle n'a pas été enregistrée. Car elle a été enregistrée dans un disque dur, car un espace tout réduit, parce que Nvidia a décidé d'en faire qu'à sa tête. Mais le plus fun dans tout ça, c'est quand le jeu que t'as enregistré t'a fait souffrir, hein, et que t'as pas envie de le relancer. Ça c'est le meilleur. Alors, en plus, rajoutez à cela que je viens de prendre un petit déj. Ça j'en parle dans la vidéo, mais la vidéo elle est morte. Mais ce petit déj il a été magique parce que j'ai speedrunné le petit déjeuner tellement vite que j'ai super mal au ventre, putain. Et j'ai pas envie de faire ce putain de jeu une deuxième fois. Et c'est ce qui va se passer malheureusement. Ce jeu c'est Bob l'éponge sur GBA. Alors déjà pour installer l'émulateur GBA, enfin pour installer, pour le configurer, pour comprendre comment ça fonctionne, une horreur. Le son, il me défonce les oreilles, je sais pas pourquoi, j'ai beau réduire le son de mon casque, une horreur. Et le jeu, il est... Je sais pas, j'ai... Voilà quoi, tu... Ça va être magique, ça va être magique, on va refaire tout ça, on va faire comme si on découvrait le jeu, tu... Magique, voilà, c'est... Magique, voilà. SpongeBob, mesdames et messieurs. Putain, je veux pas y jouer. Ah. Je sais même pas si c'est ça le bon émulateur, mais laisse tomber. Ah là 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 là. Ah, j'ai mal aux oreilles. Alors aussi, première vidéo, voilà, je l'ai pas dit, mais dans le nouveau décor. Je regarde vite fait dans le retour de caméra, voilà, si ça filme bien, bon, putain, on va... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Première vidéo dans le nouveau décor, tout se passe bien. J'arrive pas à parler. J'ai changé le micro, c'est celui-là maintenant. Alors j'espère que ça va pas faire des bugs de son ou que ça va être dégueulasse. Normalement, il n'y a aucune raison que ça soit dégueulasse. New game. On va faire comme si on découvrait le jeu. Voilà, une nuit à bikini au bottom, ha ha ha, ah, je... Les poissons, ah, robots, voilà, on va fabriquer plus de robots, la CGI est dégueulasse, c'est moche, c'est horrible. Gardez-moi Carlo, putain, mais j'ai pas envie de rejouer à ce jeu. Ah, c'est pas juste, la vie est pas juste. Et en plus, je suis même pas payé pour faire ça. Bon, vu que je connais le... Enfin... Je vais vous expliquer en fait. Je connais le premier monde, hein, le deuxième, le troisième, j'ai pas fait. Voilà. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est en fait, vous avez des robots. Hein, les robots, faut leur sauter dessus. Ou tu peux les tuer, ou tu leur sautes dessus. Regardez, lui je le tue, hop, voilà. Mais il va réapparaître, parce que je peux aussi lui sauter dessus. Et tout le gameplay, c'est ça. Y a rien d'autre, c'est que ça, y a que ça dans le jeu. Et là vous allez dire, mais c'est de la merde, c'est chiant. Non, 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 c'est pas chiant. C'est n'importe quoi. Vous êtes... Et il faut récupérer des spatules. Oui, parce que j'ai pas dit, c'est un jeu où il faut récupérer des machins, des bidules. Voilà, on prend des hamburgers, des pâtés de larmes. J'ai jamais commencé une vidéo comme ça avec autant de rage. Sandy, faut pas lui parler, on s'en fout. En fait, elle va nous expliquer ce que... Aïe 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 aïe. Voilà, on récupère la spatule, tout va bien. On va essayer de se calmer, allez. Peu de tension, tout va bien. Je suis en train de... Putain. J'ai pas dit, mais la maniabilité est affreuse. Donc, j'ai pas trop parlé. Bon, ça c'est une vie. J'ai pas trop parlé pendant les premiers niveaux. J'ai commencé à parler au niveau intéressant. Dans le sens où les niveaux intéressants, c'est les niveaux de rage. Hein, c'est les niveaux qui sont chiants, hein, à partir... je crois que ça commence à partir de la plage, hein, quand tu arrives. Voilà, 3 sur 3, on a toutes les spatules. Donc vous comprenez le but du jeu. On récupère les spatules. C'est un jeu à patounes, hein, comme dirait JDG.
et on se barre. C'est tout. Voilà, on va dans ce machin. Alors, bug de merde, hein, c'est que de base on est censé rentrer là-dedans. Mais regardez, tu peux très bien le faire là. Bah. Bob a pas de cerveau dans le jeu. On continue. Ah, le son est affreux. Je sais que c'est la GBA, je sais, mais putain. C'est fort, c'est trop fort. Hop, avec l'hippocampe, on peut manger les murs. Enfin, des espèces de coraux. Hop, hop. Donc, quand on voit ça, on se dit... Mais c'est... Qu'est-ce qu'il raconte, Dorian ? Génial, le jeu ! Il a l'air très gentil, très sympa, c'est mignon. Ça respecte le dessin animé, c'est... Oui ! Ça respecte entièrement le dessin animé, hein, je suis d'accord avec vous. C'est très beau, c'est très fluide, les musiques sont... Bon, elles sont ultra fortes, mais elles sont pas si chiantes, quoi, mais... Vous êtes pas prêts ? Vous êtes pas prêts, mais on arrive bientôt, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Voilà! Ce niveau, c'est le début des horreurs. D'ailleurs, en parlant d'horreur, regardez-moi cette animation là. Oh là là. Je sais même pas comment on peut légaliser ce truc. C'est le niveau de l'horreur, pourquoi? Parce que. Déjà, la musique elle est horrible. Je la connais par cœur. Voilà, parce que. Elle m'est rentrée dans la tête. C'est un niveau où on va sauter de plateforme en plateforme. Tu dis, ah ok, mais dans les autres niveaux on va le faire. Sauf que là, il y a des trous. Et il y a ça, voilà, c'est... Voilà, voilà, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, ça va être rigolo parce que... Ces machins trucs, ils te font montrer déjà une chose. C'est que déjà, il y a des problèmes de hitbox dans ce jeu. C'est par exemple une plateforme, là je vais au bord, hein, là... Oh là là, ça aussi c'est chiant, ouais, parce que quand vous percutez ce truc, vous rebondissez. Quand je vais regarder, dans un bord de plateforme, je suis comme ça. Mais t'as certaines plateformes, hein, quand t'es comme ça au bord, tu la traverses. Ou la manie, le saut par exemple. Le saut, quand je saute et que je reculais, ça fait ça. Mais je peux pas réellement jauger le saut. Hein. Je peux pas vraiment... Voilà, ça veut dire que le saut, là, si je vais sauter loin, ça va être prédéfini. Bob saute loin, ok, vous comprenez. Par contre, si je retournais, ça va faire un saut comme ça. Et ça fera exactement toujours ce même saut. Hein. Il n'y aura pas un genre de saut où je serai à une autre frame ou un truc comme ça. Et là, vous allez me dire, mais rien, on s'en fout, c'est... Non, parce qu'on est dans un jeu où il faut jauger ses sauts. Et quand on peut pas jauger ses sauts, c'est chiant. Voilà, ce genre de choses. Et vous allez voir, vous allez voir. Ah, putain. Ça commence, je vais devenir fou. Le niveau de la plage. On n'ira pas à la plage ces vacances, hein. Bah, de toute façon, c'est bientôt l'hiver, alors la plage. Mois de septembre, on y va pas. Là, ça va, le niveau, j'ai appris à le connaître, donc. Ça va pour l'instant. Ah, Sandy, je t'emmerde, Sandy. Ah, oui. Oui, on y est, les amis. Ouais. Ah, je suis déjà énervé. Allez, on se concentre. Allez, juste parce que je connais au moins le premier monde, vous ferez un petit peu le début du deuxième monde. Allez, on est gentil. Y'a aucune raison. Y'a aucune raison qu'on soit énervé. Ah ! Vous voyez ça, ces bâtards ? Vous l'avez vu ? J'arrive, le mec il se barre. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut pousser ces machins. Donc c'est intéressant. Bon, on a les trois spatules, en vrai on s'en fout. Allez, on se barre. Ah ! Mais y'a rien là ? Oh putain. Allez, on va dans le futur. Ok. Donc... Ça va commencer à être marrant. Ce niveau est chaud. Il est pas simple. Hein. Il y a des trous, il y a des trucs. Il y a ce genre d'ennemi qui est totalement repompé sur Sonic. Il y a plein de trucs qui sont repompés. Hein, genre des trucs de Mario World. Ça c'est Yoshi, ça. Tu vas pas me la faire à l'envers. C'est un putain de Yoshi. Là, on va pas descendre en bas. Oh ! On va pas aller en bas. Je dis descendre en bas, ça n'a aucun sens parce que je peux pas descendre en haut. Les ennemis, par exemple, quand on saute dessus, ils peuvent pas remonter. Vous allez dire que c'est pas grave. Notez bien ce truc de level design. Ouloulou, la plateforme qui se barre. Hey, elle voulait la refaire, je l'ai vu. Bon, la vire au pop.
C'est une erreur. Il faut pas faire ça, mais bon. Allez! Pourquoi je peux pas y aller? Des trucs, franchement, genre. Là, ce qui est marrant, c'est que je peux prendre lui, là. Comme ça. Je vais là-bas. Vous voyez où il y a lui, là? Comme ça, je fais ça. Hop. Bon, je vais pas sauter dessus, mais bon, vous comprenez le principe. Pour l'instant, on est bien. Le jeu, ça va. Le jeu, il va bien. Ah, c'est le passage magique. Oui, le passage magique. Ah, le passage magique. Le passage magique, c'est lui. Passage magique. A few inches later. Donc ça, on pousse. Ok, ok, c'est le truc avec le canon. Et ça, c'est chiant. Ah là là. Bon, ça, on prend le canon. On prend le canon. Canon, on est là. Comme ça, il ouvre la porte. Ouvre la porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu, on le fait easy, là. Easy game. Bon, tu me diras, c'est parce que je le refais. Bon, ah oui, mais bon. On prend les clés. C'était pas le son de, d'ouverture de Konami, ça? Non. Ah! Bon! Mes oreilles souffrent. J'ai une barre actuellement, là, d'oxygène. Enfin, d'oxygène. D'eau, hein, parce que. Pourquoi? Parce que Bob l'éponge ne peut pas respirer dans. Ta gueule! Je peux pas respirer dans l'oxygène. Et je vais couper cette musique parce qu'elle est affreuse. Non, en fait, je vais remettre la musique parce que sinon, je peux pas vous expliquer. En fait, il faut monter sur cet arbre. Ok, vous voyez le délire, ok? On monte dans l'arbre, tout se passe bien. Hein. Mais vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Pourquoi quand je dis que ce jeu, c'est de la merde, je joue plutôt bien. Ça m'énerve. Parce que, si vous voulez, les robots, là, vous voyez sur lequel je viens de sauter, là. Ça, là. Et là. Ouais. Il veut pas venir, le con. Mais là ça va, c'est la partie facile de l'arbre. On va dire ça comme ça. Donc, hop, si je veux, hop, je fais ça. Hop, bon, la plateforme ne vient pas. Bah, si je peux l'avoir ici, voilà. Donc là, on va dire c'est la zone facile. Monte ! Ah, monte ! Monte ! Voilà. Casse-toi ! Le casse, voilà. Tout ça pour une vie que j'aurai pas. Pourquoi ces trucs font des bulles alors qu'on est plus censé être dans l'eau? Ok, il y a la spatule là. Et c'est chiant, hein. Pourquoi je gère quand je dis que le jeu il est pourri? Ça m'énerve. Yeah! J'ai plus d'oxygène. Et là, il faut que j'en prends un max. Mais monte! Descends. Ce jeu, c'est monte, descend, monte. Mesdames et messieurs! Bah, oui, ça sert à rien de faire pause parce que vous comprenez pas. Bon, ça là. Vous comprenez? Je traverse. Je traverse, mesdames et messieurs. Je traverse, en fait, la plateforme, voilà. Donc, on peut pas aller au bout de la plateforme, ok? Donc maintenant, je vais vous montrer le passage magique. Il est là. Je dois sauter sur ça, là, comme ça. Et voilà. C'est dur. Ah bah, je viens de réussir. Ah non, bah non. Oh non. Et je vais mourir. Est-ce que tu vas sauter? Vous comprenez mieux pourquoi ce jeu... Mais je vais te tabasser, toi. Mais ta mère, laisse-moi monter! Casse-toi! Putain! Je veux pas crever là.
tout sauf ça. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Ok, j'ai réussi. C'est un miracle. Ce que je viens de faire, c'est un miracle. Oh non, 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 non. Bien sûr, mets-toi là. D'accord. Quoi? Mais la spatule, je l'avais pris la spatule. Oh non, mais c'est quoi ce jeu qui est méchant, là? Sérieusement. Bon, c'est bon, là, la spatule. Normalement, tout devrait bien se passer. Viens. Voilà. On saute. On arrive là-haut, et on saute, et on arrive pas là-haut. Viens. Mais c'est une blague. C'est une blague. Maintenant, je veux pas mourir. J'ai 3 spatules. Ok, là, j'ai géré sa mère. Hop. Oh putain, je viens de gérer. Ok. Ah mon dieu, il est trop moche, ce boss. Attention, c'est un boss qui est ultra dur. Regardez, ça commence affreusement dur. Oh my god. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Sérieusement? Oh. Mais what the fuck? Saute dessus. Mais quoi? Sérieusement? Sérieusement quoi. Bon bah on fait le niveau 2 hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'avais promis. Ah, salut Carlo, je voulais pas te voir. Saute. Comment on fait ce saut sérieusement? Comme ça? C'est pas possible. C'est un troll. On peut pas sauter là. C'est impossible. Ah bah là je viens de réussir. Sérieusement, c'est super n'importe quoi là. La spatule. Allez, tout va bien, y'a aucune raison. Ah, oh, on est au Krusty Krab. No, this is Patrick. On peut pas aller au Krusty Krab. Allez, monte. Ouais mais Darien, les PNJ, si tu les avais écoutés, mais flemme. Flemme d'écouter. J'ai littéralement mis mon cul dans le missile. Ok, bon. Là, je me suis fait enculer, mais par balle. Quoi. On a toutes les spatules. Et voilà la machine à spatule. Ok, super. Bon, on fait ce niveau-là et on s'arrête tout de suite. Hein, parce que là... J'ai mal au ventre. Mais non, j'ai... Ça commence bien. Mais putain, j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Pourquoi je me fais du mal? T'imagines, on fait tous les jeux Bob l'éponge. Aïe. Genre un gros live. Un gros live de je sais pas quoi. Un gros live. On teste tous les SpongeBob qui existent dans le monde. Ok, on a la clé comme ça. Et on a plus la clé? Qui monte comme ça les échelles? Je veux pas te parler. Oula, on est chez Daesh. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais oui, il y aura des vidéos sur... la suite de Rocket Knight, Dragon Slayer, dans ce nouveau décor, parce que c'est un super décor, on peut filmer maintenant, c'est génial. Si j'ai l'air inexpressif, genre avec l'envie de se suicider, c'est normal, je viens de faire 2 fois Bob l'éponge, avec un mal de ventre, mais de chien, mais je vous jure, quoi, c'est... ce que j'ai là, c'est pas légal, c'est pas légal. Ça. Bon, attends, il nous faut la bombe. Aïe! Prends ça, tu le mets là, voilà, ici, c'est parfait. Et on prend ça! Parfait, on a les 3 spatules.
monte sur le truc là. Allez, on se barre. Allez, on se barre. On se barre, les gens. Oh, 18 sur 20. Putain. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on n'est pas fou? Bon, écoutez, les gens. Moi, je vous dis juste un truc. On va remettre la musique parce qu'elle est rigolo. Écoutez, les gens. Moi, je vais faire un deal avec vous. Un deal. Tu vois? Les vidéos sur Dragon Slayer, Rocket Knight vont sortir. Hein. Ça, c'est une vidéo. Voilà, comme ça, je suis gentil. Voilà. Est-ce que vous voulez une partie 2 de Bob l'éponge? Tu veux plaisanter? Ah. Je serais en forme. J'aurais pas fait deux fois, j'aurais pas de mal de ventre. Oh, ce jeu, putain, qu'est-ce qu'il est chiant! Bref! Dragon Slayer. Dragon Slayer, putain. J'ai pas envie de jouer à Dragon Slayer. Rocket Knight, ça va, mais pas Dragon Slayer, putain. Bref, c'est à vous de voter, hein. Vous dites dans les commentaires. Prochaine vidéo. Partie 2 de ça. Dragon Slayer. Rocket Knight. Voilà, c'est vous qui décidez. Mais mettez pas Dragon Slayer. Je sais que vous avez le mettre. Vous allez le mettre parce que je vous ai dit de pas le mettre. Voilà, vous connaissez, hein, vous connaissez. De toute façon, je serai prêt. Hein. Je ferai ça, moi je suis un fou. Putain de merde. N'hésitez pas à me recommander d'autres jeux. Hein. Des jeux, je sais pas, GBA, toutes les consoles que tu veux. PS2, PS3, je verrai. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je me suis acheté un... Attendez, je vais vous montrer parce qu'il est là. Ouais, bon, bah, c'était une vidéo, vous allez dire, ouais, bof, c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf, s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait une vidéo. Ah, bah oui. Regardez ce que je me suis acheté. Alors, dans le retour, est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas trop bien, bon, bref. Ça, c'est un boîtier d'acquisition, les amis. Ça va me permettre de... Est-ce que vous voyez la fiche, là? Eh, une Péritel, sa mère. Ça va me permettre de capturer toutes mes anciennes consoles. Donc ça filme en 720p et en 1080p, donc voilà. 60 fps, je sais pas. Mais bref, au moins je pourrais filmer mes anciennes consoles. À part les Game Boy, les Game Gear, l'Atari Lynx, tu vois ce que je veux dire. GBA, voilà, tout ça, je peux pas filmer parce que c'est console portable. Mais toutes les consoles Péritel, elles passent. À part aussi les consoles antennes, Atari 2600, les merdes comme ça, mais on s'en fout. L'important, c'est que j'ai ça. Donc, est-ce que, vous posez la question, est-ce que ça vous intéresserait, par la suite, je filme mes anciennes consoles. Comme ça, on joue directement sur le truc d'origine. Voilà, c'est juste ça à vous dire. Sinon, voilà, n'hésitez pas à faire le sondage, hein, prochaine vidéo. Je mettrai un sondage, je vais essayer mon tout premier sondage. Oh, c'est que ça va être... Vous allez dire c'est une vidéo de merde, mais... C'est chiant. Ce jeu, je vous jure que... Franchement, vous allez me dire qu'est-ce que je pense de ce jeu. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu, je dis pas... C'est un bon jeu dans le sens où il respecte déjà le dessin animé. Il est joli, l'animation est fluide, mais... Problème de gameplay. C'est un problème de gameplay et de level design, parce que... Vu que l'animation est trop fluide, bah ça prend une seconde de décalage. Faut savoir, à chaque fois que je saute, j'ai genre une seconde de décalage. Il y a des... Il y a level design parce que putain, il faut sauter sur un truc qui te fait sauter, t'as des trous, tu traverses des plateformes. Voilà, là vous allez me dire, oui, mais là c'est pas trop galère. Je l'ai fait deux fois, je l'ai fait deux fois. Merde. Et là, on est qu'au deuxième monde. Je le dis, on est au deuxième monde. Il y a combien de mondes dans le jeu? Il y en a encore deux autres. Il y a encore deux autres mondes. Voilà. Il y a encore deux autres mondes de merde. Bref. Cessons de parler. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao. Oh putain, je suis crevé. C'est trop mal.